sur la différence entre la tradition congolaise et la tradition kémétique. Et la différence entre ces deux points est assez historique. Et je vais essayer d'être le plus court possible et le plus précis. Kemet, il y a une différence entre l'Égypte et Kemet. Nous, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, nous parlons de l'Égypte antique sous la colonisation. Nous parlons Kemet durant l'autonomie, quand on est libre. C'est comme quand nous parlons de l'Afrique et des Cachopas. Nous savons que l'Afrique est une machination occidentale. Et chaque fois que nous sommes sur l'Afrique, l'Afrique est un projet occidental. Pendant que la terre de nos ancêtres s'appelle Kemet. Pardon, qui s'appelle Kama, Kachopa. Quand nous sommes sur Kachopa, quand nous sommes calibrés sur la fréquence Kachopa, nous sommes sur la terre de nos ancêtres. Mais nous, comme quand nous sommes calibrés sur la fréquence Afrique, nous sommes sur un projet occidental, colonial. Et donc, la même chose s'opère sur l'Égypte et Kemet. Quand nous sommes ici dans l'Égypte, nous sommes exactement pendant les périodes d'occupation de la terre des Kamites par les Hyksos, par d'autres, les Turcs, par les Grecs, par les Romains et par les Arabes. Maintenant, la première toute occupation, c'est l'occupation faite par les Hyksos, 430, ça dirait 430 ans. Dès cette date-là, quand les Hyksos ont occupé l'Égypte, la jeunesse s'était enfouie, l'armée s'était enfouie, elle est descendue vers l'ouest. Et Kemet est resté sous occupation à Hyksos. Les Hyksos sont les ancêtres des Occidentaux comme nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire les Germaniques et les Latins. Nos ancêtres, ceux qui étaient jeunes à l'époque, fuient, évadent, arrivent à résister, disons, à échapper au massacre. Ils vont se réfugier dans l'Afrique de l'Ouest. C'est ce qu'on appelle l'Afrique de l'Ouest. 430 ans après, vous voyez que la tradition a été déviée. 430 ans après, ces jeunes qui n'avaient pas appris tout de la tradition égyptienne vont rentrer faire la guerre contre les Hyksos et se reprendre la terre. Mais il faut savoir que dans 430 ans, il y a eu un mariage, un amalgame de traditions entre la tradition Hyksos et la tradition de base, kémétique. Ok? Et durant cette occupation, c'est à cette période-là que nous avons ce que nous appelons les pharaons. Ok? On va reconquérir. Mais il y avait déjà une situation sociale différente, difficile à concevoir pour ces jeunes qui étaient rentrés dans la terre de leurs ancêtres. Il y a eu des mariages, des enfants Hyksos. Bien qu'une partie s'était enfouie, une partie était présente qui va favoriser l'invasion après quelques temps des Turcs. Les Assyriens. Après les Assyriens qui vont nous envahir encore, nous allons les chasser et puis nous allons voir une invasion turque. Nous allons sortir encore de l'Égypte, descendre encore vers l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest, la Kama, les Tchakachopa de l'Ouest, et rentrer encore sur Kemet, combattre les Turcs. Après les Turcs, les Assyriens vont revenir encore. Après les Assyriens, on les chasse encore, maintenant nous aurons les Arabes, qui déjà avait commencé à pratiquer l'esclavage autour des Kama durant toute la période de l'occupation Hyksos, la période de l'occupation assyrienne et la période de l'occupation turque. Ils sont devenus puissants avec les commerces. Donc, ils ont proliféré grâce à l'occupation des Kemet. Ils ont exploité les mines, les ors, la terre, en détruisant tout à manière plus absurde possible. Ils vont devenir assez puissants pour venir occuper les terres Kemet. Parce qu'à l'époque, la puissance d'un pays, d'une nation, s'est mesurée par l'occupation de les Kemet. Quand on occupait un Kemet, cela signifie qu'on était devenu une puissance. Les Arabes, nous allons avoir l'arrivée des Grecs. Les Grecs vont venir apprendre à étudier la tradition kémétique, maintenant devenue la tradition égyptienne par occupation arabe. Chez
les Arabes. Les Grecs n'ont jamais été en contact avec les Kémètes, mais plutôt avec les Égyptiens, c'est-à-dire les Arabes. Quand on parle des Égyptiens, ce sont les Arabes qui ont eu leurs prédécesseurs, qui sont les Assyriens, les Turcs et les Hyksos. Après cela, pendant que la puissance arabe va s'affaiblir, pendant que les Arabes vont devenir un peu faibles, les Grecs vont les occuper. Et après, les Romains vont faire la même. OK? Et après, quand nous rentrons dans la période de la découverte, pratiquement quand l'Afrique tout entière tombe, les Européens deviennent les plus puissants parce qu'ils vont arriver jusqu'à Tanecher, l'Afrique centrale. Ils vont devenir plus puissants que les Arabes et ils vont contenir les Arabes dans la partie de la Nord qui vont les laisser comme surveillants. Maintenant, la tradition Congo n'existait pas à cette époque-là. Nous parlions de la tradition Kémète. Mais pendant que les fils Kémète sont en train de fuir, hein, dans la tradition Congo, tu entendras parler de l'histoire de la traversée de la désert de Kalahari sous la guide de Mbemba Zulu qui commence, suivie par la guide Yayambangala, la femme aux sept mamelles. Le Congo n'existait pas. Nous parlons toujours des Kémètes. Les Congos vont exister seulement quand la reine Nzinga, la mouth Nzinga, arrivée sur Tanacher, va baptiser cette terre des non-nouveaux, la terre du Congo au lieu de Tanacher. C'est en ce moment-là que nous avons une tradition Congo. Maintenant, il faut savoir que la tradition Congo était une partie de la tradition kémétique, comme la tradition Fan, comme la tradition Igbo, comme la tradition Wara avec l'Afrique de l'Ouest. Toutes les autres traditions, l'Afrique, les Kama, Kachopa devenu Afrique, était divisée en 14 parties, c'est-à-dire il était occupé par 14 puissances différentes qui représentaient les différents corps des Hausa. Les corps des Hausa étaient divisés par 14 parties. Et les différentes traditions qui sont nées représentent différentes fractions. La tradition kémète en représente la source. La différence qu'il existe à la tradition kémétique et à la tradition congo-haute, c'est que les traditions en aval, ont été contaminées. Contaminées par quoi? Ils ont été contaminés par les longues occupations, Hyksos, OK, de 430 ans, Assyriens de 160 ans, Turcs de 120 ans, Assyriens qui retournent encore pendant 65 ans, Arabes qui durent jusqu'à maintenant, l'influence grecque et puis l'influence romaine et puis les retours des descendants des Hyksos qui continuent encore jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'avec l'esclavage, okay, il y a modification des paramètres de perception, des conceptions de la réalité et de l'identité. Et ces modifications de la perception, de la conception de l'identité ont été absorbées dans les différentes traditions. Et ce qui marque la différence aujourd'hui. C'est pourquoi je retourne au début dans la tradition Congo. Ils ne s'entendaient pas. Parce qu'ils sont les fils de l'esclavagisme, de la colonisation. C'est pourquoi, pour bypasser tout problème, dans les camps de la science des computers, quand un computer a des problèmes, quand on a des virus, donc on ne sait pas trouver l'origine, qu'est-ce qu'on fait? On fait un backup. Les backups, ça signifie on reporte les computers au point de départ ou dans l'époque au moment où il n'y avait aucun file, aucune contamination, aucun virus.
de manière à annihiler tout ce qui a été créé après, qui, lui, contient des virus. C'est comme ça, nous sommes rentrés à la tradition kémétique parce qu'elle représente à la source. Et, comme l'on dit tous, à la source, l'eau ne peut être que la plus pire. Telle est maintenant la différence que je te donne entre la tradition kémétique